fait, ce sont des idées que je vais partager avec toi. Donc, je veux que tu réfléchisses sur ces idées-là, que tu les notes, qu'elles t'aident. Alléluia. Le thème de mon exhortation, c'est « Tu dois réussir ». Dis à ton voisin « Tu dois réussir ». Oh, dis-lui ça bien, s'il te plaît. Encore une fois, « Tu dois réussir ». Nous allons lire Genèse 1 à partir du verset 26, notre première lecture. Nous allons associer à Genèse 1, Ésaïe 45, verset 18. Oui. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Oui. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Mm-hmm. Sur les oiseaux du ciel. Mm-hmm. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, la première chose, c'est qu'il met sur l'homme son image et sa ressemblance. Quelqu'un me dit, j'ai l'image de Dieu et j'ai la ressemblance de Dieu. Ésaïe 45, verset 18. Oui. Ésaïe 45, verset 18. Mm-hmm. Ésaïe 45, verset 18, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle. « Le Créateur des cieux. » Le Créateur des cieux. « Le seul Dieu. » Le seul Dieu. « Qui a formé la terre. Mm. »« Qui l'a faite. » Oui. « Et qui l'a affermie. » Oui. « Qui l'a créée. » Oui. « Pour qu'elle ne fût pas déserte. » Mm-hmm. « Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. » Oui. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » J'aime le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire vraiment, non, non, tu es cool. Il dit, « Je suis l'Éternel, et puis après moi, il n'y a rien. » Maintenant, si tu es fâché, là, c'est ton problème. Après lui, c'est lui. Alléluia. C'est un verset extraordinaire. Il dit, « Je suis l'Éternel, et après moi, il n'y en a point d'autre. » C'est-à-dire qu'il fait des déclarations qui sont fortes. Alléluia. Terminons avec 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2 que vous connaissez. Hein? 3 Jean 1, 2. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui. Et sois en bonne santé. Mm-hmm. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois réussir. Oh, j'ai dit tu dois réussir. Je répète, tu dois. Encore une fois. Dis, je dois réussir. Tu vas comprendre pourquoi, tout à l'heure, tu es sous obligation de réussir. Nous avons lu tout à l'heure Genèse qui dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donnons à l'homme notre image et notre ressemblance. Vous savez, j'ai fait un constat et c'est ce qui est la vérité. Tous les hommes aspirent à la réussite. Il n'y a aucun homme qui n'aspire pas à la réussite. Quand vous rencontrez les hommes, en général, ils ont envie de réussir, ils veulent voir leur projet réussir, ils veulent voir leur vie épanouie, ils veulent voir les choses bien. Voilà pourquoi vous trouverez les gens à l'église, ils sont toujours à la poursuite d'une seule chose. Seigneur, mon miracle. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je... Parce qu'aucun homme n'est suicidaire. Aucun homme n'a envie de voir sa vie qui ne marche pas. N'a envie de voir ses affaires qui ne marchent pas. N'a envie de voir ses enfants qui ne marchent pas bien. Donc, réussir est la volonté de Dieu et réussir est normal. C'est humain. Regarde ton voisin dit, c'est humain de vouloir réussir. Un jour, les gens sont venus voir Jésus, mettez au tableau Matthieu 18, verset 4, et ils étaient en pleine crise de vouloir manifester leur identité. Va au verset, disons au verset 2, allons au verset 2, remonte un peu, Matthieu 18,
verset 2. Bon, allons au verset 1. On va aller au début pour que tu puisses avoir toute la pensée de l'histoire. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Leur problème, ils ont ajouté « royaume des cieux » pour faire un peu style. Sinon, leur problème, c'était un problème de qui va être le patron quand le maître va partir entre nous là, qui est le patron même. Parce qu'on a vu avec les deux, les fils de Zébédée qui sont venus plus tard pour dire qui va s'asseoir à la droite et à la gauche. Donc, c'est une discussion qui était courante parmi les disciples. Qui est le boss? Qui est le boss? Et donc, ils interrogent Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Oui, verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant. Ça dit quoi? Jésus ne répond pas à la question, il appelle un petit enfant et il le plaça au milieu d'eux. Oui, verset 3, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La réponse de Jésus est un peu bizarre quand même, c'est vraiment bizarre. Les gens te demandent qui sera le boss, qui sera le patron, tu ne réponds pas, tu appelles un enfant, tu dis convertissez-vous et devenez comme cet enfant-là, sinon vous n'allez pas entrer. En fait, Jésus n'a pas répondu à cette question parce que c'est une question normale. C'est un peu comme quelqu'un qui vient te voir pour dire il a faim. À la limite, tu as faim, c'est normal. Un homme a faim. Tu as sommeil. Un homme normal a sommeil. Tu veux réussir, tu veux être le premier. Un homme normal, voilà, veut réussir et veut être le premier. Donc, dans l'église, souvent, ça dit, c'est bousculade pour occuper les premières places ou se faire voir là. C'est normal. Jésus explique simplement la voie à suivre pour atteindre ces choses. Mais il ne condamne pas les disciples pour leur dire, pourquoi vous êtes ambitieux? Pourquoi vous voulez réussir? Pourquoi vous voulez être les plus grands? Non, son problème ce n'est pas, tu veux être le plus grand, mais voilà le chemin. La grandeur commence par la conversion du cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc il montre aux disciples la voie à suivre. Ce matin, que le Saint-Esprit te révèle la voie de la grandeur au nom de Jésus. Alléluia. Et donc devenir grand est normal. Dis à ton voisin, devenir grand est normal. Oui. Et donc, réussir dans le royaume, la première chose que je veux que tu retiennes, c'est que ce n'est pas du hasard. Réussir est normal parce que Dieu a créé chaque être humain avec la pensée de la réussite. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et 3 Jean 1, 2 que nous avons lu, ou 2, 1, dit ceci. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que les hommes prospèrent, que les hommes avancent. Et chaque être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a quelque chose en lui de grand. Dis, j'ai la grandeur en moi. Ce n'est pas juste un slogan, c'est la vérité. Parce que quand Dieu fait l'homme de la poussière de la terre, Dieu souffle dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint. Alléluia. Donc, il y a quelque chose de divin en toi. Dis avec moi, il y a quelque chose de divin en moi. Dieu a conçu donc l'homme avec l'instinct de la réussite. Et donc, si cela est ainsi, alors toute vraie réussite se prépare, se planifie. Ça veut dire que la réussite n'est pas le fait du hasard ou de la loterie. Parce que une femme peut tomber enceinte et ne jamais accoucher. Bien que la grossesse a pour finalité l'accouchement. Mais il y a des femmes qui tombent enceintes, mais qui n'accouchent pas. Ça veut dire que, bien que la réussite soit la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, il y a une préparation attachée à cela. La réussite se prépare, elle se planifie. On fait des choses pour réussir. De même que la réussite se prépare, l'échec se prépare. On prend des décisions pour réussir.
dans le sens contraire, ne pas prendre de décision, c'est faire le choix d'échouer. Donc l'absence de décision est une décision. Ou l'absence de plan est un plan. On planifie pour réussir. Si on ne fait rien, on a planifié pour échouer. Donc, la réussite selon Dieu se planifie. Dis à ton voisin, la réussite se planifie. Il ne faut pas sortir de ces 40 jours-là pour venir me dire, pasteur, on a fait au paupières, on a parlé en langue, on a parlé en langue, maintenant je ne vois rien. Non, je suis en train de te dire parce que Dieu m'a dit que réussir, il a conçu tout être humain avec l'instinct de réussir. Donc vouloir réussir et se sentir bien, c'est ce qui est le plus simple, le plus logique. Donc si tu penses comme ça là, tu n'es pas anormal. Ce n'est pas un manque d'humilité, c'est normal. Mais de même que Dieu t'a créé avec l'instinct pour réussir, la réussite se planifie. On fait des choses pour réussir. Quand vous voyez un homme qui est habile dans son ouvrage, frère, il a payé le prix pour être là où il est. Ce n'est pas juste du rêve. Ce n'est pas juste de la loterie. Non! La vraie réussite suit un processus. C'est pourquoi elle se planifie. De même, quand vous voyez quelqu'un qui a échoué, il a planifié son échec. Donc, ces deux premiers points me ramène à un autre point que je voulais partager avec toi. La vraie réussite est prédictible ou est prévisible. Ça veut dire quoi? On peut voir quelqu'un et conclure que le type là, il ne va pas loin. Par les choix de vie, par les actes, par son comportement, par sa posture, par son attitude. Ne sors pas de ces 40 jours là en restant la même personne. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça très fort avec moi? Dites ça comme si votre voix vous appartenait, s'il vous plaît. Oui, après tu as dit oui, on a prié, on a jeûné. Non, ce n'est pas comme ça. Frères et sœurs, j'ai dit la réussite devient quoi? Prévisible ou prédictible. On peut te regarder sans être un prophète par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de t'habiller, par ta façon même de répondre à l'appel du Seigneur, on peut dire, le type là, il ne va pas loin dans la vie. Et quand je te vois pour certains assis ce matin, la façon dont même tu es venu au culte ce matin, je n'ai pas envie de dire des choses. Façon même tu es entré à l'église, tu ne t'es même pas lavé. Ça me prouve que tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Façon tu es venu t'asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, je vous dis, quand quelqu'un est convoqué à la présidence de la République et qu'il doit rencontrer le président de la République et qu'il sait qu'on n'entre pas là-bas pour sortir les mains vides, mon ami, il se prépare. Même quand il n'a pas de chaussures, il va louer chaussures. Il va louer costume. Tu viens dans la présence de Jéhovah. On dit, nous sommes pratiquement dans les dernières heures des 40 jours de puissance. Tu ne peux pas changer ton look, changer ton image. C'est l'image que tu donnes à la vie. C'est la semence que tu donnes à la vie. C'est ce qu'elle va te rendre. Regardez certaines personnes avec un visage défait. Ils sont là, ils te regardent. Quand tu dis acclamer, le gars, il ne sait même pas dans quoi il est. Je suis venu te dire que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait un changement. Est-ce que tu peux me dire amen? Tu es une sœur. Tes cheveux, ça fait 6 mois que tu n'as pas lavé. Tu quittes ici, va dans un salon de coiffure, lave tes cheveux, fais tes cheveux bien. Parce qu'un homme est sur le point de te dire, je veux te marier. Est-ce qu'on peut me dire amen? Tu marchais comme ça, relève-toi, change ta démarche et puis commence maintenant. Alléluia! Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. C'est ça la foi. La foi est une attitude. Dis à ton voisin, la foi est une attitude. Regarde ton voisin, il faut l'examiner un peu. Jette des coups d'œil rapides, gauche à droite. Est-ce qu'il est dans le coup? Alléluia. La réussite est prévisible.
Un jour, j'ai rencontré, c'est quand ça, j'étais, il y a longtemps, j'étais allé faire quoi au lycée là? C'était une campagne d'évangélisation dans un lycée. Et puis à la fin, il y a une jeune dame qui est venue faire les offrandes. Il y avait plusieurs personnes. Mais quand cette jeune dame, elle était toute jeune, peut-être 12 ans. Mais quand elle est sortie, le Saint-Esprit m'a dit, celle-là, c'est une grande dame. Cette jeune dame cache une immense dame dans le futur. Mais regardez comment elle est sortie. Mais elle est sortie 12 ans, hein, petite fille. Elle n'a même pas, je ne sais même pas si elle a encore commencé, c'est-à-dire elle a la puberté encore. Mais elle est sortie avec classe. Mais quand elle marchait pour venir faire les offrandes, mais quand son cou était tout droit, sa posture, la première chose que ça m'a révélée, cette dame a un père et a une mère. Tu sais, quand Saül a entendu David, il dit c'est le fils de qui? Parce qu'il y a des choses là, quand on entend de toi, il y a des attitudes là, quand on voit, on sait que tu as papa. Et puis tu as maman. Hein? Attends, tu marches quoi? Mais tu n'as pas maman. Si tu es une jeune fille, tu as une maman, tu ne peux pas marcher comme ça. Non. J'ai dit, quand elle est sortie, j'ai dit, cette dame a de l'avenir. J'ai commencé à prier, Dieu donne-lui une longue vie. J'ai dit, il y a des attitudes, quand tu les as, jeune homme, vous n'avez pas remarqué souvent, certains de vos enfants, petits déjà, le gars, il aime se saper, il met ça ici. Tu sens qu'il va être député. Il aime costume. Le petit là, son affaire de costume. Et puis il marche, il vient quoi, il dit, regarde-moi. Tu sens que ce petit là, non. Donc l'attitude est importante parce qu'elle parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ma vie a changé? Après ces 40 jours, tout ce qui t'a défait ne peut plus te défaire. Dis-moi amen et reçois au nom de Jésus. Change d'attitude. Il y a des gens, tu dois aller changer ta garde-robe. Tu dois changer ta garde-robe. Tu dois changer de look. Je te dis, les looks sont par saison. Le Saint-Esprit va te dire, maintenant ne t'habille plus comme ça. Fais cheveux coupés ou bien fais cheveux longs. Fais comme ça. Il faut écouter le Saint-Esprit, je vous assure. Il y a des looks, Dieu va te donner. Mais c'est le look là qui va faire l'ouverture pour le contrat que tu attends. Tu vas te retrouver devant quelqu'un. La personne là, lui, ses cheveux courts, il aime. Quand il va te voir, il va dire, non, son look me plaît trop. Madame, prenez le contrat. Laissons appel d'offre là, prenez le contrat. C'est pourquoi les hommes qui suivent l'esprit, tu les vois, ils se renouvellent. Tu dis, mais comment ils font pour se renouveler? Par saison, ils ne sont pas pareils. Par saison, ils ne sont pas pareils. Toi, depuis 1900 Abraham que je te connais, tu n'as jamais changé. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la même façon de t'habiller depuis 1900 Abraham. Aujourd'hui, 2022, tu ne changes pas. Regarde ton voisin, dis, voisin, le temps du changement, c'est maintenant. La réussite est prévisible. Je peux te voir et prédire ce que tu seras l'année prochaine à la même heure à Upo Piazzo. Mais je déclare, l'année prochaine, à la même époque, ta vie aura changé de niveau. Niveau marital, niveau financier, niveau de bénédiction, à tous les niveaux. Je te propulse à 10 fois, 20 fois, 100 fois ce que tu es maintenant au nom de Jésus. Si tu n'avais pas de maison, reçois deux maisons. Si tu n'avais pas de voiture, reçois une voiture. Si tu n'avais pas d'argent, reçois l'argent. Si tu n'avais pas la bonne santé, reçois la bonne santé. L'année prochaine à Upo Piazzo, on te regardera, tu ne seras plus la même personne. Je le déclare de cet hôtel. Dis trois fois amen et reçois. Makata pare de Bosikayaba. Jesus. Alléluia. Dieu a créé toutes choses pour avoir du succès. Dieu a designé tout pour avoir du succès. Frères et sœurs, vous ne verrez jamais un oiseau pour qui on a besoin de prier avant qu'il ne vole. Quand un oiseau naît, il est destiné à voler. Parle la langue, ne parle pas la langue, il volera.
Avez-vous vu un poisson pour qui on prie, à qui on apprend à nager à l'école de natation? Regarde ton voisin, dis, qui es-tu? Oh, il ne répond pas bien. Dis, qui es-tu? Il n'a qu'à te donner la réponse et puis tu lui donnes l'autre réponse. Qui es-tu? S'il dit, il est enfant de Dieu, il est fils de Dieu, dis-lui, je suis un Dieu. Maintenant, si tu es un Dieu, l'enfant d'éléphant, on l'appelle éléphanto, non? Est-ce qu'on a besoin de jeûner pour qu'un éléphanto grossisse? Pour un peu de temps et tu verras qu'il va grossir. Ça est dans ses gènes. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Avant que cette année ne finisse, tu reçois, oui, les bénédictions liées à ton rang de Dieu, au nom de Jésus. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Depuis quand tu as appris un poisson à nager? Tu le jettes et puis il commence. Je dis, la gloire est la seule porte ouverte devant toi. Oh, dis amen bien. Répète, la gloire est la seule porte ouverte devant moi. Depuis quand vous avez vu, on a prié pour qu'un arbre porte ses fruits? Tu porteras les fruits dignes de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Note ceci. Dieu est plus engagé à te voir réussir que toi-même. Je vais t'expliquer ça. J'ai dit, Dieu est plus engagé à te voir réussir que lui-même. Tu n'as pas encore compris. Tu vas comprendre ça ce matin. Dieu est plus engagé. Dieu a besoin de ta réussite. Il a besoin de ça comme moi, j'ai besoin d'oxygène. Dieu a besoin de ta réussite. Il faut écrire noir sur blanc. Dieu a besoin de ma réussite. Tu dis, mais en quoi ma réussite fait Dieu? Tu vas comprendre tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on a fait la lecture de Genèse. Dans la lecture de Genèse, la Bible dit quoi? Et Dieu fit l'homme à son image. Et Dieu créa l'homme et Dieu mit sur l'homme son image et sa ressemblance. Première question. Avez-vous vu déjà un fabricant de produits? Le fondateur de iPad, c'est quoi? Steve, son nom, l'autre là. Steve quoi? Steve Jobs. Jobs. Samsung. Guess. Tous ces fabricants de produits de luxe aujourd'hui qui ont rempli le marché, ou fabricants de Coca-Cola, le fondateur. Avez-vous vu un fondateur, un fabricant d'un produit, qui fait un produit dans l'attente que le produit échoue? Ça n'existe pas. Tout fabricant qui met sur le marché un produit, il a dans son esprit une attente forte que ce produit-là ne peut que réussir. Vrai ou faux? Donc, aucun fabricant ne fabrique un produit pour que le produit échoue. Pourquoi vous voulez que Dieu, qui fait l'homme, qui fabrique l'homme, dont le produit, c'est l'homme. Nous sommes le produit de Dieu. Dis avec moi, je suis le produit de Dieu. Dis ça bien. Il t'a fait de la poussière de la terre. Et il a sorti le produit fini. Et il a soufflé dans ce produit son souffle de vie. Quelque chose est sorti de Dieu et est entré en toi. Pourquoi tu veux que le produit de Dieu échoue? Aucun fabricant ne fabrique un produit pour qu'il échoue. Malheureusement, il y a des gens qui, bien que le produit ne soit pas destiné à l'échec, sont en train de travailler et combattre le produit pour qu'il échoue. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, tu dois réussir. Ce n'est pas si tu veux, c'est un ordre. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu dois réussir. Comme Dieu pouvait dire à l'homme, sois fécond. Il impose sur la capacité de l'homme la fécondité. Tu veux ou tu veux pas, sois. Sois veut dire, tu n'as pas de choix.
que d'être la chose. Tu dois réussir. Regarde ton voisin, dis-lui encore, tu dois réussir. Nous sommes fatigués de ces chrétiens qui ne savent même pas avec qui ils sont en alliance, avec qui ils traitent. Non, je fais le parallèle avec le monde matériel pour que tu comprennes la pensée. Souvent, pour comprendre l'évangile, il ne faut pas aller trop loin. Dites-moi un fabricant ou un homme d'affaires qui met en place un business et puis il s'attend à l'échec. Il est suicidaire. Dieu n'est pas suicidaire. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, je suis le créateur. Frère, il est le créateur. Et devant lui, il n'y a personne comme lui. Dieu ne peut pas te créer. Et tu échoues. C'est une honte. Il n'y a aucun fabricant qui crée les choses pour que les choses, alléluia, ne réussissent pas. Quand vous prenez iPad, j'ai un iPad ici. Quand le fabricant a fabriqué iPad, Steve Jobs, quand il a fait iPad, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien prenons Samsung. Samsung. Ça, c'est un Samsung Fold 3. Mais quand ils font Samsung Fold 3, ce n'est pas pour que Samsung échoue sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Numéro 1, ils fabriquent le produit. Dis avec moi, ils fabriquent le produit. 2, ils vont maintenant tester le produit. Par exemple, Mercedes fabrique la Maybach, qui est l'une des voitures les plus chères. Il va prendre la Maybach, il va tester la Maybach. Ils vont aller dans des environs, ils ont des environs de test. Ils vont maintenant rouler la voiture à 300, 400, 500 km/h pour voir si à cette allure maximale, la voiture peut tenir, la voiture a de la stabilité, la voiture ne tremble pas et qu'il n'y a pas de problème d'airbag. Ils vont même cogner à 200, 300 km/h avec des spécialistes qui sont habillés pour ça dans la voiture. Ils vont cogner des poteaux pour voir comment l'airbag, que tu ne verras jamais peut-être pour certains jusqu'à ce que ta voiture aille à l'épave, comment l'airbag qui est dedans se comporte en cas de problème. Maintenant, quand ils constatent que à 300 km/h, quand je fais un choc, l'airbag ne sort pas, il ramène la voiture à l'usine pour dire non, elle n'est pas sûre, on ne peut pas la mettre sur le marché. Ils reprennent la fabrication, ils reprennent les textes. Maintenant, quand ils vont tester la voiture, vitesse, équilibre, tout est bon. Airbag, 300 km/h, choc, l'airbag sort normalement, les constantes sont là, ils disent maintenant, validé point 1, validé point 2, validé point 3, validé point 4, la voiture est sûre, on peut la mettre sur le marché. Donc en 2, il met maintenant, quand il teste la voiture, quand c'est sûr, il met sur le marché. Mais avant de mettre sur le marché, il s'assure d'une chose, il prend maintenant pour Samsung ou pour iPad, pour l'iPad ou pour iPhone, en général iPhone, leur marque, c'est une petite pomme avec comme si quelqu'un a mordu à côté. Il prend la marque et puis maintenant, parce que ces choses que tu vois ici là, quand tu vas dans les grosses surfaces, il y en a plein, même taille, même couleur, même forme. Il y en a, ils ont écrit iPod, iFace, il y a des trucs chinois, il y a toutes sortes de tablettes dans le monde. Mais quand tu vas et puis tu vois 10 000 tablettes, tu fais comme ça. Tablette. Chaka. Tablette. Sans sous. Pas Samsung, sans sous. Tablette. Tu regardes les noms jusqu'à ti. Mais quand tu vois iPhone, tu vois iPad, tu dis, ah, c'est ça là que je veux. Pourquoi? Parce que c'est fiable. N'est-ce pas? C'est comme ça. Ils mettent donc leur marque là-dessus. Parce que leur marque, numéro un, distingue le produit.
Donc, dans plein de produits, tu es perdu s'il n'y a pas de marque. Donc, la marque distingue le produit. Quand tu vois la petite pomme là, tu sais, ça vient d'où. Donc, elle distingue le produit. Deux, elle te ramène au créateur. Te ramène au créateur, au fabricant. Mais la raison de tout ça, c'est quoi? Je te dis, la raison de tout ça, c'est quoi? C'est parce que tu dois saisir cette phrase et c'est très important. Aucun créateur de produit ne veut échouer. Et donc, comme il ne veut pas échouer, il s'assure que son produit soit fiable. Mais la raison de la fiabilité de son produit, ce n'est pas pour tes beaux yeux. C'est pour protéger sa réputation. Donc, la première chose que je veux que tu notes ici, c'est que tout ce que Dieu fait pour que tu n'échoues pas dans la vie, ce n'est pas parce que tu as des yeux qui sont trop jolis. C'est parce qu'il veut protéger sa réputation à lui. Ça te choque. Tu n'acclames pas bien et ça te choque. Ésaïe 45, lisons Ésaïe 45, verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Ésaü, mon élu, oui. Je t'ai appelé par ton nom. Mm-hmm. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Maintenant, va Ésaïe 48, verset 4. Le 48, verset 4, oui. Sachant que tu es endurci, que ton cou est en barre de fer, et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. Merci. Ésaïe 43, maintenant verset 25. Oui. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Merci. Ici, Dieu dit des paroles importantes. Il dit, pour l'amour de moi, c'est moi qui fais ça pour toi. Lisons un autre verset. Exode 14, verset 18. Exode 14, verset 18. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Regardez, il dit, ils sauront que je suis. Donc, en d'autres termes, ce qu'il est sur le point de faire là, ce n'est pas à cause de quelqu'un. C'est pour que l'on sache qui il est. Il dit, c'est pour l'amour de moi, je ferai. Exode 20, verset 2. Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand Dieu ajoute toujours « Je suis », l'Éternel qui a fait. Il est en train de lier la protection qu'il t'a accordée. Il est en train de lier la grâce qu'il t'a accordée. Il est en train de lier les bonnes choses qu'il est en train de faire pour toi là, à lui, pas à toi. Je sais pas si quelqu'un me suit. Parce que les gens disent non, Dieu m'aime trop. Non, je te dis, un fabricant, un créateur, est d'abord concerné en point numéro un par sa réputation, avant toi. Quand il travaille pour donner de la fiabilité à son produit, ce n'est pas d'abord pour toi. C'est vrai, le produit va te faire du bien, mais c'est d'abord pour lui-même, pour que sa société marche et que tout le monde aille vers lui. Donc, aujourd'hui, quand on va dans les supermarchés et qu'on voit plusieurs téléphones, chinois, 4 puces, 2 puces, on dit non, moi je cherche iPhone ou je cherche Samsung. Mais pourquoi on cherche iPhone ou Samsung? Parce que iPhone et Samsung ont prouvé leur quoi? Leur fiabilité. Donc, quand on va vers iPhone, c'est parce que c'est un produit fiable. Est-ce qu'on peut dire quoi? Produit fiable. On dit ça plus fort. Produit fiable. Donc, retiens ceci. Tout ce que Dieu fait pour que le produit que toi tu représentes réussisse, c'est d'abord pour l'amour de lui-même. Ok.
Quelqu'un dit, pasteur. J'ai dit, oui. C'est pour l'amour de lui-même. Alléluia. Dieu protège, dis-moi, Dieu protège sa réputation. Dieu protège son label. On a vu dans Genèse 1, verset 26, « Et Dieu donna en premier son image à l'homme. » Comme iPad, iPhone, on met la pomme là-dessus. Dieu, lui, il a pris son image, il l'a mis sur toi. Donc, tu as un label. Dans le monde des esprits, quand tu marches, quand on te regarde, il y a une marque sur toi. Et cette marque-là, c'est une marque qui est fiable. C'est une marque qui ne peut pas échouer. C'est une marque qui est testée et approuvée. Donc, on protège le label. Voilà pourquoi on fait des tests de fiabilité. Quelqu'un me dit amen. Le fabricant protège sa réputation parce qu'il n'a que ça pour continuer à faire marcher sa structure. Donc, tu es le produit. Sur toi, il y a un label. Ça veut dire quoi? Si tu ne réussis pas, tu gâtes le nom de Dieu. Tu détruis la réputation de notre société à nous tous. C'est pourquoi ton succès est plus important pour Dieu que toi. Dieu est plus intéressé dans ton succès que toi-même. Parce que quand tu réussis, c'est sa marque qui est fiable, c'est sa société qui gagne en réputation et en grandeur. Quelqu'un ne comprend pas, c'est pourquoi tu n'acclames pas. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Note cette leçon importante. Le succès d'un produit est nécessaire pour protéger la réputation du fabricant. Écris ça. Le succès d'un produit est nécessaire pour protéger la réputation du fabricant. C'est pourquoi notre succès, notre réussite à nous est important pour protéger la divinité. En mettant son image et en nous donnant sa ressemblance, nous sommes juste comme lui. Donc quand on échoue, nous donnons une indication que Dieu peut échouer. Alors que Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois réussir. Sauf que j'ai compris la raison du jugement. Souvent, quand tu dis Dieu va juger les gens, ils pensent que Dieu, oh, Dieu est méchant, comment il va juger? Je te dis, c'est comme un fabricant qui fait un produit, test de fiabilité. Il met tout et le produit refuse de réussir. Parce que ça peut arriver que le produit refuse de réussir. On a un fait dans la Bible où on parle de l'argile entre les mains du potier. Je ne sais pas si quelqu'un peut me sortir le test. Je vais te montrer un élément. Sortez-moi ça quelque part. L'argile entre les mains du potier qui ne réussissait pas. Parce que Dieu a flashé ça dans mon esprit et il m'a montré quelque chose en même temps. Vous savez, c'est comme ça que mon Dieu, Dieu prend un verset comme il flash, puis il dit, regarde là. Frère, regarde ton voisin, dis, voisin, tu dois réussir. Voisin, tu dois réussir. Jérémie 18, verset 3 et 4. Jérémie 18, verset 3 et 4. Je descendis dans la maison du potier. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, Jérémie dit, je suis descendu dans la maison du potier en vision. Oui. Et voici. Il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Merci. Regardez la construction de la phrase. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. C'est du français. Il n'est pas en train de dire le potier ne réussissait pas le vase. Mais il dit le vase, dans les mains du potier, le vase refuse de réussir. Ça veut dire tu peux être dans les mains de Dieu. Dieu espère. Parce qu'un potier est un expert. Quand un potier prend de l'argile et il se met sur le tour, il a déjà la pensée de ce qu'il veut créer. Donc, pour que le vase ne réussisse pas, il y a problème. Mais ici, la Bible dit, malgré l'expertise du potier, le vase refuse de réussir. Il y a des gens ici qui refusent de réussir. Dieu est expert. Il te tient. Il tente de te façonner.
Pendant qu'il façonne ici, tu sors ici. Pendant qu'il façonne ici, tu sors ici. Pendant qu'il veut t'attraper, tu dis non. Pourtant, tu as ce qu'il te faut. Frère, le jugement devient systématique. Parce que je vais vous dire, dans les choses spirituelles, le jugement n'est pas quelque chose que Dieu fait à chaque seconde. Il vient comme ça. Tu as péché? Tu es où? Bac! Tu as menti? Bac! Dieu n'a pas ce temps. Dieu a fini. Quand Jésus dit c'est fini là, c'est vraiment fini. Ça veut dire quoi? Dieu désormais attache la récompense et le jugement aux choses. Ça veut dire, quand Dieu dit par exemple, il faut aller faire ça, il a attaché à l'instruction la récompense et le jugement. Et il y a longtemps, il a fini. Donc, quand tu refuses d'obéir à l'instruction, tu reçois systématiquement, même quand Dieu dort, la conséquence attachée à la chose. Quand tu obéis, tu reçois, même quand Dieu est en vacances, la conséquence attachée à la chose. Donc, les choses sont dans les choses. Les jugements et les récompenses, la vie et la mort sont dans les choses. C'est pourquoi Ecclésias pouvait dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le mot « temps » ici ne veut pas dire « Dieu cherche un temps ». Non, ça veut dire « le temps des choses, c'est dans les choses ». Quand une femme est enceinte, il faut parler en langue, fais comme tu veux. 9 mois est attaché à la grossesse, ça est dedans. Le temps des choses est attaché à la chose. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc souvent, Dieu est surpris par certaines choses qui arrivent à certaines personnes. Parce qu'en temps normal, frère, en temps normal, il y a des jugements, il y a des choses qui ne doivent jamais arriver à des gens. Parce que, continuons avec notre produit iPad. Quand tu achètes donc l'iPad, il est emballé dans un quoi? Carton. Qui c'est ça? Répondez s'il vous plaît. Quand tu ouvres le carton, la première chose que tu vois, ce n'est pas l'iPad, c'est la notice. Mais pourquoi le fabricant met la notice au-dessus? Et souvent sur la notice, il est écrit, lisez cette notice avant l'utilisation du produit. Il y a combien de gens qui lisent ça? Moi, je suis le premier. Je ne lis jamais les notices. Après, on est surpris que on n'arrive pas à optimiser l'appareil qu'on a entre nos mains. Parce que dans la notice, il a plusieurs éléments qu'il va te donner. Numéro 1, il te présente le produit. Dis avec moi présentation. Oh, dis présentation. 2, il te dit le produit est fiable parce qu'il a été testé. Il te donne la garantie de la fiabilité. 3, il te dit maintenant pour maximiser l'utilisation du produit, 1, 2, 3, 4, voilà ce que tu touches, voilà les boutons, il te fait même des démonstrations sur la page. C'est pas ça? Et après, il bascule dans un autre chapitre où il met un truc comme ça, triangle, avec un point, avec exclamation, pour dire, attention, attention, ce produit ne doit jamais se retrouver dans un environnement de température supérieure à, sinon, il va se gâter. Ce produit, on ne doit jamais l'utiliser comme ça, sinon il va se gâter. Ce produit, ne le faites pas ça. Ça, ce sont maintenant les ordonnances pour protéger le produit, pour qu'il puisse toujours être performant. Mais il y a combien de gens qui lisent le manuel? Nous, notre manuel, c'est quoi? C'est la Bible. Dieu nous a fait, on est le produit. Il a pris la Bible comme le manuel et il a mis ça sur nous. Mais qui lit le manuel pour avoir une opération maximale, pour avoir un rendement selon que Dieu veut? Combien qui lisent? Personne ne veut lire le manuel. Les gens ont une idée du manuel et ils veulent avoir de la performance. Imagine-toi, j'ai acheté l'iPad, ça, au Canada. Ok, je ne sais même pas où les gars sont, leur siège aux États-Unis. Et puis j'ai le manuel.
Et puis à chaque fois, je prends mon téléphone. Allô? Je veux l'adresse du fondateur de iPad. Attends, on allume comment? Bon, j'ai allumé, c'est un peu jaune. Attends, quel temps Steve Jobs a à te répondre à chaque fois quand tu veux allumer, quand tu veux faire ça? Pour aller dans email, c'est où? Quel temps il a? Il a fini avec le manuel. Le mot manuel ici veut dire simplement une chose, la pensée du créateur pour le bon fonctionnement de son produit. C'est ça le manuel. Tu vas même appeler, tu ne peux même pas l'avoir. Tu vas tomber sur le répondeur. Vous voulez en français? Un. En anglais? Appuyez sur deux. En espagnol? Appuyez sur trois. Le temps que tu finisses, toutes tes unités sont finies. 3 heures d'attente. Parce que le manuel. Donc vous voyez que c'est insensé de prendre mon téléphone à chaque fois que j'ai un problème avec mon iPad, d'appeler. C'est la même chose que l'Église fait. On est tout le temps là. On croit que c'est la multitude des paroles qui font que Dieu nous écoute. Tu penses que Dieu a ton temps pour être là matin, midi, soir? Seigneur, pour réussir, on fait quoi? Seigneur, je tombais enceinte, je fais quoi? Seigneur, je vous dis, il y a des prières inutiles, le ciel est fermé. C'est pourquoi quand tu sors de la réunion de la prière, tu as mal à la tête. Tout va au plafond, ça frappe le plafond, ça redescend sur ta propre tête. Va voir le manuel! Dis à ton voisin, pourquoi vous me regardez comme ça? Regarde ton voisin, dis, va voir le manuel. Les gens n'aiment pas la vérité, ils aiment qu'on les blague. Il faut arrêter. Les gens vont vous tromper avec le mauvais évangile là et vous allez rester dans ça fatigué. Il y a des réponses, Dieu ne donne plus. Quand tu l'appelles, il te pointe le manuel. Il a dit, mais c'est tellement incroyable. Tu as ta Bible, Dieu a parlé, Dieu a donné la voix. Il a dit, voilà comment on fait, voilà comment on fait, pour un rien. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu dis, moi je bombarde, hein? Il n'y a pas un jour je ne bombarde pas. Il faut continuer à bombarder. Il y a des bombardements là, ça n'arrive même pas au ciel. On ne sait même pas que tu as bombardé. Pour des choses aussi élémentaires, que ta Bible peut te donner la réponse. Donc le manuel, il est là pour ça. Et dans le manuel, il y a les interdits pour que le produit là soit au meilleur de sa performance. C'est à toi de ne pas envoyer ton portable près du feu, de ne pas faire certaines choses. Pourquoi? Le jour où tu prends le iPad là et tu l'envoies vers un interdit, il a un problème. Quand il a un problème là, tu ne dis pas, je ne comprends pas, j'ai payé votre truc, vous dites, c'est fiable. Maintenant, il y a un dernier chapitre où ils vont maintenant te dire, au cas où, par extraordinaire, par hasard, comme tu es un homme, l'iPad a glissé dans tes mains, c'est tombé. Ça peut arriver. S'il y a une panne, voilà les réparateurs agréés chez qui tu es obligé de partir. Si jamais on constate que tu as envoyé l'iPad chez quelqu'un qui n'a pas l'agrément officiel pour toucher, ça annule la garantie. C'est fort. Dieu, nous sommes son produit. Il a mis sur nous la marque. Il peut arriver qu'il y ait problème. Mais Dieu a désigné un seul réparateur agréé, c'est Jésus. Si jamais tu envoies ta vie chez Mahomet, chez Confucius, chez Bouddha, chez un voyou dans un quartier qui ne sait même pas sa droite de sa gauche, le jour où tu viens maintenant pour dire « Ah, ça n'a pas marché », on va checker le produit. Si on voit que quelqu'un d'autre, parce que je vous dis, un réparateur agréé, quand il touche le produit, il laisse des indices que seul le fabricant voit. Donc, quand quelqu'un a touché, tu vas croire que tu as fait toucher en cachette. Et puis tu vas venir maintenant chez la maison mère pour dire, non, personne n'a jamais touché. Mais quand ils vont prendre le produit, ils sauront que quelqu'un a touché. Oh, ils sauront. Tu crois qu'ils vont savoir.
C'est pourquoi ils t'ont averti que si jamais quelqu'un d'autre que celui qui a l'agrément touche, garantie annulée. Voilà comment beaucoup sont en train de perdre leur garantie. Les vérités spirituelles sont toujours parallèles avec les vérités physiques. Ouvrez vos yeux, Église. Dis, je suis le produit de Dieu. Oh, dis ça bien. Ton échec détruit la réputation de Dieu. Tu n'as pas le droit d'échouer. Je ne sais pas si on comprend ça. Tu dois réussir. Dis, je réussis et je réussis. My God. Ton échec n'est pas bon pour Dieu. C'est pas bon pour l'image et la réputation. Frères et sœurs, tu es le produit de Dieu. Dis, je suis le produit de Dieu. C'est pourquoi si tu ne réussis pas, ton jugement est attaché en même temps. C'est-à-dire, Dieu t'a fait, il t'a établi. Est-ce que vous savez que même les billets, quand à un moment donné, le billet de banque, on le fabrique, on met dans le billet de banque les indices de sa propre destruction. C'est-à-dire, quand on veut faire passer la série, il y a des choses qui vont activer, le billet va s'auto-détruire. Quand Dieu crée un produit, c'est pour que le produit réussisse. Mais en même temps, dans le produit, il installe le processus d'auto-destruction au cas où le produit n'a pas atteint les objectifs attendus. On les retire du marché, on les positionne et puis on active le principe. Et puis ça, auto-destruction. Tout est verrouillé, puis on ne peut plus l'utiliser. Même s'ils jettent ça au marché, que vous allez ramasser, vous ne pourrez plus l'utiliser parce qu'ils ont activé un code qui a fait que ce produit-là, tu ne peux plus jamais l'utiliser. Dans le temps, dans les portables, il y avait cela. Un certain IMEI, c'est un long numéro. Si on te vole ton portable, que tu n'as pas envie que quelqu'un utilise, tu actives le IMEI là. Il n'a qu'à monter, il va descendre. Même si les techniciens espèrent en quoi, il ne peut plus utiliser le portable. Ça veut dire quoi? Dieu met dans les choses qu'il fabrique le principe d'autodestruction. C'est pourquoi je suis venu vous garantir et vous dire, faites gaffe, faites attention à la façon dont vous êtes en train de vivre votre vie. Vous devez réussir. Votre réussite amplifie sa réputation. Votre échec n'est pas bon pour le royaume, n'est pas bon pour l'image de Jésus. Si malgré tout, vous refusez de réussir par la mauvaise attitude, par le mauvais formatage, frère, le code depuis le ciel sera activé. C'est là que tu vois quelqu'un qui était pasteur, maintenant qui dit, il est Guru Maharaji. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un code qui s'est activé. Je dis, le code d'autodestruction. Faites gaffe. Quand la Bible parle de jugement, moi j'ai compris. Le jugement, ce n'est pas Dieu qui va venir se mettre sur un fauteuil et puis il te regarde. Pasteur Padé et puis Pasteur Chou, levez-vous, avancez. Avancez à la lumière. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui est là, il dit, bon, tu viens d'arriver, tu vivais où? Washington DC. Bon, on fait quoi? Le ciel, l'enfer, le ciel. Pèsez-moi. Ses œuvres. Et puis il y a un ange qui dit, hein, il te fait signe, il te dit, je me fais un gombo et puis je déclare que le bien là est plus que le péché. Hein? Et puis tu dis non, vas-y, déclare et puis je te donne quelque chose après. Ça n'existe pas au ciel. Gombo comme ça là, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas, bon, je vais te faire ça. Parce que si Dieu doit faire ça, Dieu va devenir injuste. Vous savez pourquoi? Il va devenir injuste. Parce que Dieu a des sentiments. Tu ne sais pas que Dieu a des sentiments. C'est pourquoi? Pour ne pas que ces sentiments entrent en jeu. Il a réglé le problème. Il a mis la conséquence des choses dans les choses. Quand les deux là vont se présenter devant Dieu, en réalité, ce qui va faire leur jugement, ce n'est plus Dieu qui parle. Dieu fait le constat
que lui s'en va là, que lui s'en va là. Dieu fait le constat comme eux. Mais en réalité, le constat, c'est quoi? Quand vous lisez la Bible dans Daniel, la Bible dit « Ceux qui ont aimé la justice brilleront comme des étoiles. » Il dit même dans les étoiles diffèrent en éclat. Ça veut dire quoi? Chacun par son sérieux, par son attitude, par ses choix, est en train de faire un investissement éternel pour sa résurrection. Ça veut dire, quand ils vont ressusciter, ils vont se représenter devant le trône. Ça dit, chacun, le degré de brillance de chacun sera fonction des choix de vie qu'il aura fait. Donc, naturellement, Dieu va constater qu'il y a un qui ressemble à Satan, et puis il y a un qui lui ressemble. Donc, ce n'est pas lui qui fait le choix. Tu as fait ton choix. La Bible dit le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. Ça veut dire quoi? Quand on va te semer le jour de ta mort, parce que tous les gens que vous voyez à Williamsville, on les a semés. Hein? On les a semés. Maintenant, à la résurrection, quand les gens vont sortir de Williamsville, c'est en fonction de ce que chacun aurait investi en lui. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit quoi? Si l'esprit de celui qui a réussi Christ entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Pourquoi l'esprit rend la vie au corps? C'est pour la résurrection. Donc, aujourd'hui où je vous parle, il y a un investissement que chacun fait dans son corps mortel en ce moment, mais il ne le sait pas. Par son sérieux, sa façon de parler, sa gentillesse, sa vie chrétienne qui est correcte. Je te dis, arrêtez de vous séduire. Crois que quand tu pèches, c'est à Dieu que tu fais du mal. Tu ne fais pas de mal à Dieu. Dieu, on ne peut pas le salir. Non, en fait, même l'église, qui t'a dit que tu peux salir l'église? La Bible appelle l'église le corps de Christ. Ça veut dire quoi le corps de Christ? Le corps de Christ, ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas être le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est la partie de Jésus que tu auras permis qu'il transfère en toi. C'est cette partie-là seule qui est le corps en toi. Si Jésus a pu prendre le bout de ton doigt, dans tout ton être-là, le corps, c'est le bout de ton doigt. Si Jésus a pu prendre une main, dans tout ton être-là, le corps de Christ, c'est la main. Si Jésus a pu prendre la moitié de toi, parce qu'il veut prendre le 100% de toi, le problème c'est que Jésus n'arrive pas à prendre 100% des gens encore. Donc, la partie de Jésus que tu reçois en acceptant sa parole, en croyant sa parole, en croyant ses promesses qui se bâtit en toi, c'est cette partie-là qu'on appelle le corps. Donc, entre nous ici, là, si on doit peser le corps de Christ, peut-être on est à 25%. Nous tous, quand on prend corps, c'est-à-dire la partie de Dieu qu'on a accepté de faire sienne, en obéissant à cette parole, en faisant de cette parole-là notre style de vie. Cette partie-là devient le Dieu en nous. Ne laissez pas les gens vous séduire. Quand tu pèches contre toi-même. Quand tu vis mal contre toi-même. Quand tu es dans le concubinage, tu te pourris, tu prends ton propre pistolet, tu tires dans ta tête, bye. Moi, tu ne me salis pas? En quoi tu me salis? Tu salis Jésus. Tu peux salir Jésus? Il dit, je bâtirai mon église. L'église est déjà bâtie. Quand il fait cette promesse-là, c'est le jour de sa résurrection. Quand il sort, est-ce qu'il y a un pied qui manque? Quand Jésus sort là, est-ce qu'il est, il marche comme ça? Il a les deux pieds, il a les mains, tout est fait. Les gens même l'ont touché pour dire, hé, c'est le monsieur là qui est là. Mais le corps qu'il avait n'était plus un corps physique, un corps spirituel. L'église était née. L'église est née. Maintenant, cette église-là, par ton sérieux, par ta marche, par ton acceptation de Jésus, tu te qualifies à être quoi? Greffé. Hein? Merci les pasteurs. On acclame pour eux. Oh, ton amen ne me plaît pas. Ton acclamation là est bizarre. Ton échec n'est pas bon. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager. Tu ne peux que réussir. Moi, j'ai dit au Seigneur, dans ma génération, je ne lâcherai pas prise. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi dans cette salle? Aïe, 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 aïe. J'ai dit, Marie a dit, tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ce matin, tout ce qu'il te dira, fais-le, parce que tu as la capacité. Si Dieu te dit bâtis un orphelinat, bâtis parce que tu as le potentiel. Si Dieu te dit bâtis une église, bâtis, tu as le potentiel. Si Dieu te dit ouvre, sois le sponsor de l'évangile dans ces temps de la fin, fais-le,
tu as la capacité. Dis à ton voisin, tu as la capacité. Tout ce qu'il te dira de faire, fais-le. Tu as le potentiel. La Bible déclare, nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La semence des choses est dans la chose. Si je te montre un noyau de mangue et je te dis c'est quoi, tu vas me dire, pasteur, c'est un noyau de mangue. Est-ce que tu dis vrai? Non. Au-delà d'un noyau de mangue, c'est un arbre. C'est un manguier. Au-delà d'un manguier, c'est une forêt de mangue. C'est toute une forêt qui est là. Vous voyez la puissance de la semence? Elle peut être petite, mais en elle, elle a tout ce qu'il faut pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le fait. Le fait. Assure-toi, viens. Toi. Oui. Et ça, le fait. Regarde cette sœur-là. Elle chante. Et ça, c'est ce que tout le monde voit maintenant. Mais personne ne la connaît. Personne ne peut me dire dans cette salle-là, qui est cette dame? Non, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Si Dieu ne te donne pas les yeux de l'esprit, tu ne peux pas savoir. Vous voyez ça maintenant, on appelle ça le fait. Un fait, c'est quoi? Un fait, c'est la description de l'état présent d'un homme ou de l'état présent d'une chose. Une chose, maintenant dans le now, c'est ça le fait. Elle est là, elle a fait ses cheveux, elle est comme ça. Dans 6 mois, personne n'a idée de ce qu'elle peut devenir. Oh! Oh! Entre la vérité et le fait. La vérité, c'est la pensée éternelle de Dieu pour elle. Quand Dieu, ton nom c'est quoi? Quand Dieu a dit que Nadège soit, ce qu'il avait dans sa pensée là, c'est ça la vérité. Ce qu'elle est maintenant, c'est le fait. Comment quitter le fait pour coller son image à la vérité? C'est un processus. Elle doit d'abord accepter qu'elle n'est pas n'importe qui. Et que de même qu'on le demande, on ne prie pas pour qu'un poisson nage. On ne prie pas pour qu'un éléphant grossisse. Aussi sûr qu'elle est sortie de Dieu, elle arrivera là. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi ne jugez jamais un homme sur ce que vous voyez. Parce que ça, c'est un fait. Frère, dans un an, tu sais où elle sera? Aïe, 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 aïe. Dieu peut changer une vie qui a compris en un instant. Une seule rencontre que Dieu peut orchestrer. Et cette dame-là, elle est désormais à Washington, D.C., le meilleur quartier. Le meilleur quartier. Elle a acheté son appartement et elle vit là-bas avec son mari, un homme puissant. Que Dieu te bénisse. Les gars, voilà le Dieu que vous servez. Ce que tu es là, c'est un fait. C'est un fait. J'ai vu des hommes sous ce soleil, du jour, c'est-à-dire entre la nuit, entre 22h et 6h du matin, leur destinée a changé. T'as vu, Joseph, 24 heures. Les gars, tu dois réussir. Je veux que tu te fâches en fait. Je ne vois pas des gens fâchés ce soir qui vont dire, mais hé, mais l'affaire est sérieuse. Et je vais vous dire, la réussite, c'est en Dieu qu'elle prend fin. C'est le jour où tu vas arriver devant lui, il va te dire, bon et fidèle serviteur. Tu as réussi. Je termine avec ceci. Il y a une différence entre le succès et la réussite. Le succès est temporel. La réussite prend fin en Dieu. Ça veut dire quoi? On peut réussir et avoir des échecs. Parce que les échecs font partie de la réussite. Amen.
Les échecs sont temporels, comme les succès sont temporels. Ça veut dire quoi? Ah, j'ai tenté de faire ça aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça ne me définit pas. C'est quelque chose que j'ai essayé qui n'a pas marché. La vraie réussite, c'est prendre le fait que je suis aujourd'hui et au soir de ma vie, coller ça avec ce que Dieu veut. Mais dans ce parcours, je peux avoir des petits échecs. L'échec n'est qu'une autre façon de recommencer et de bien faire. Voilà la définition de l'échec. Ce n'est pas une fin en soi. Vous devez réussir. Regarde ton voisin, dis, voisin, tu n'as pas de choix. Oh, il y a un couloir. Il y a un couloir que tu as. Le produit que tu es là. Il y a des gens qui ont besoin de ça dans le monde. Le produit que tu représentes là. Il y a des gens qui doivent prendre ce produit. Vous savez, aujourd'hui, la défaite du monde, c'est l'incapacité de l'Église à comprendre ce message qui est si simple, mais essentiel. C'est pourquoi les gens ne veulent pas se convertir. Attends, quand vous voyez un produit qui commence à dégringoler, quand vous voyez une société qui n'a plus de chiffre d'affaires et tout le monde ne veut plus aller, ça veut dire que les consommateurs sont déçus. Ils ont essayé ce produit-là, ils ont commencé à voir que, ah non, 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 cette pâte qu'on appelle pâte étoilée là, ne vous brossez plus avec elle. Les plaies, je te dis, plaies après qui sortent, puis tes dents commencent à sortir comme ça. Quand tu mords une mangue, toutes tes dents restent dans la mangue. Donc, quand ils prennent ça là, c'est ça maintenant, ils font publicité. Et tu as acheté étoilé. Tu veux mourir. Mon cousin, ma grand-mère. Voilà ce qui fait la réputation. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos quartiers. Tu veux partir dans leur église là. Tu vas commencer à être terne. Tu vas commencer à être noirci. Ils vont attacher ta tête. Ils vont enlever tes bouts d'oreilles. Ils vont aller vendre. Le pasteur va prendre pour payer ses cravates chères et puis ses costumes. Il ne faut pas aller là-bas. Ce n'est pas bon église. Hein? Église à laquelle on va. On ne respecte plus les parents. On ne respecte plus papa. On ne respecte plus maman. Ils vont te traiter de sorcière. Maman, dis à ta fille de ne pas partir, sinon tu vas donner la sorcière de la maison. Je t'ai dit, oh, moi j'ai mon oncle. Il est parti, il est devenu fou. Et puis, ils ont les témoignages. Tu veux aller? Les affaires de évangélique. Ceux-là, alléluia, ceux qui crient, matin, midi, soir, tu le vois au bord de la route, le gars, il n'a pas mangé pendant 3 jours, il est sale comme ça, puis il a mégaphone. Hé, hey, vous allez en enfer, c'est ce que tu veux devenir. Donc le témoignage que les gens ont du produit de l'Éternel ou de certains produits de l'Éternel, c'est pas bon du tout, du tout. It's not good at all. Je vous autorise, si vous voyez un chrétien, en tout cas si c'est votre frère, et qui fait des bêtises pour gâter le nom du Seigneur, frappez-le. Attachez-le, frappez-le. Même si on vous envoie la police, dit oui, nous on a une société familiale. Voilà. Et il gâte le nom de la société. Et ça fait que moi-même, maintenant, je n'arrive plus à vendre mon produit que je suis parce que lui, il a tout gâté. Le policier dit, mais c'est de quelle société vous parlez? De quel produit? Puis tu lui dis. Il y a des gens ici. On va te chicoter. Vous ne savez pas évangéliser, venez, on va vous apprendre à évangéliser. N'allez pas vous mettre à des carrefours pour empirer la situation des gens. Et puis là où même ils voulaient se convertir avant, à cause de vous, ils n'ont plus envie de se convertir. Tu ne t'es pas brossé, tu n'as pas mangé depuis 25 jours. Ne va pas frapper à la porte de quelqu'un pour dire « Alléluia ». Et puis tout ici, il est jaune comme ça. Le gars te regarde, il prend du recul. Si tu es un braqueur ou tu es... Oui, tu es venu faire quoi ici, monsieur? Ne porte pas les habits en caoutchouc. Et on appelle ça, ça dit les trucs en caoutchouc, quand le soleil passe sur toi. Tout ici, là, on ne peut pas respirer. Quoi c'est les tricots en nylon, là, non? Tu as marché un peu, c'est fini. Odeur. Tu es entré dans le salon du gars. Quand tu t'assois,
quand tu sors, il est obligé d'ouvrir les fenêtres et de repomper tout le coin pour dire, Seigneur, sauve-moi. Pendant que tu parlais, il a coupé sa respiration. Il veut s'évanouir. Si je t'attrape. Non, je parle de Jésus. Respectez Jésus. Arrêtez de gâter le nom du fabricant. Le Seigneur nous regarde du ciel, il ne comprend même pas comment je peux avoir le meilleur produit, le produit le plus fiable, le produit éternel, le produit qui donne la vie, le produit quand on mange, on ne peut plus devenir la même personne. Et malgré ça, les hommes n'en veulent pas. On présente ça mal. On présente ça mal. C'est pourquoi j'ai fait le serment. Je dis, on va bien faire les choses ici. Il y a des gens, ils entrent ici à l'église. Un jour, il y a un ministre de la République qui est venu ici. Quand le ministre est entré ici, il dit, Bishop, mais attends, c'est dans l'église comme ça, nous, on doit venir? Parce que tu n'as pas eu besoin d'aller nous chercher de là où on est pour faire ça? Il faut que les gens changent. Quand ils entrent dans les églises évangéliques, il y a des gens qui sont passés ici il n'y a pas longtemps. Et puis, ils étaient en train de discuter entre eux. Ah, tu as vu l'église catholique qui est là-bas, la grosse église là? Et puis, j'ai dit, non, ce n'est pas catholique. Il y a... Parce que pour eux, dans leur tête, évangélique ne peut pas construire des trucs comme ça. Eux, c'est des petites boutiques, les quartiers. Et puis, quand tu parles pour dire non, le bruit me gêne, ils disent, on va prier contre toi. Ça, c'est les spécialistes. Tout le monde les connaît. Il faut que les choses changent. Allez aux États-Unis. Les églises sont respectées. Un gars comme T.D. Jakes, les présidents de République l'invitent. C'est des gens importants. Parce qu'ils ont envoyé l'évangile à une dimension où même les païens sont obligés de reconnaître que si tu cherches l'excellence, va à Accra. J'ai dit, on me rendait un témoin un jour, le président de la République est allé à l'église du docteur Mensah Otabil. Mais à un moment donné, le protocole était tellement expert qu'il a appelé un des collaborateurs du docteur Otabil pour lui dire, mais il faut qu'il envoie certains protocoles de la présidence pour qu'on les forme à l'église. Mais quand quelqu'un arrive à ça, c'est-à-dire le niveau d'excellence. Vous croyez qu'à l'église, on doit venir faire les trucs n'importe comment? Lui là, il s'habille comme il veut. Quand on dit soyez sérieux, asseyez-vous dans l'ordre. Frère, les rois ne réfléchissent pas comme les esclaves. C'est une question de mentalité. Et mettez-vous en ordre, faites ça. Les gens sont là. Alléluia. On dit non, c'est Dieu, non? Et puis là, son chewing-gum. Nya, 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 nya. Le jour où tu as mort ta langue, tu as arrêté de manger chewing-gum à l'église. Dans la présence du roi. Tu ne te laves pas, tu es mal habillé, et puis c'est toi qui aimes faire offrande devant. Ici, là, c'est la présence de Dieu. Non, les gars, on a un produit sérieux. Hein? La plupart des gens qu'on invite les dimanches, quand ils viennent là, ce n'est pas leur milieu naturel. Qui vous a dit tout ce que vous priez dans les rues qui viennent là? C'est leur milieu naturel. Quand ils viennent, à la limite, ils ne suivent même pas votre culte. Ils sont là. Ils regardent. Ils regardent la sœur qui aime beaucoup dire Alléluia, Amen. Ah! Quand il dit oui, Alléluia, et puis tu rien. Il voit, tu es en tapette. Tes pieds sont cassés, tu ne t'es pas lavé. Il est là. Il regarde tout. Et puis il se fait une idée. Est-ce que je reviens ou je ne reviens plus? Est-ce que j'ai envie de ressembler à mon voisin? L'image est votre première chose que vous vendez. C'est la première chose que vous vendez. C'est pourquoi les commerciaux là, hein? Vous connaissez les commerciaux dans les sociétés? Sapé, on leur apprend à se tenir, à s'habiller, à parler pour donner valeur à leurs produits. Tu viens vendre produit de... Ma soeur, je vends produit de bouton. Quand tu mets ton teint chocolat caramel, mais quand tu regardes la dame qui vend, il y a un gros ici, un gros ici, un gros ici, c'est l'aime son gros. Produit ça là. Faut garder. Si ça ne t'a pas aidé, c'est pas moi, ça va aider. Acclamez Jésus.